monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Là, je vous prends, il est 10h30. Je viens seulement de finir de monter mon vlog. Bah, le temps de l'exporter et le temps de le mettre en ligne sur YouTube, ce sera en retard. Vous aurez vu le vlog d'hier en retard. Bon, maintenant, je m'occupe de moi. Je me prends ma douche. Oui. Parce que jusqu'à maintenant, ce matin, je me suis occupée des enfants, de Andrea, de monter mon vlog. Et pas de moi, vous voyez, je suis toujours en pyjama. Donc je vais me prendre ma douche, la puce elle va aller avec papa, comme ça je vais être tranquille. J'ai mis sa petite robe sergent major rose, là elle est trop mignonne. Par contre elle a le col qui est tout remonté, ça doit être dans le pliage, dans son armoire. Ça a dû plier le col un peu de travers, et donc il est remonté, mais bon c'est pas grave, elle est mignonne quand même. Tu viens la puce? Toi tu vas avec papa? C'est pas possible. Allez! Coucou tout le monde! Bon là, je vous prends, il est midi passé. Je vous ai pas pris de la matinée, juste avant ma douche, quoi. Fallait que je finisse de préparer les trucs pour Maxence pour son anniversaire. J'ai fait quoi aussi? Le ménage. Hop! Ça m'a pris finalement tout le reste de la matinée. Puis la matinée était déjà bien entamée, vu qu'il était déjà 10h30. Mon vlog, il est exporté, il est en train de se mettre en ligne sur YouTube. Donc, il aura du retard, quoi, c'est ce que je vous disais. Comme d'hab, vous me voyez en train de détendre du linge. Hier, j'ai été tellement prise par mon gâteau que j'en ai oublié de détendre mon linge. Donc, je l'ai fait ce matin et franchement, je suis même pas sûre qu'il ait plus l'humidité cette nuit. Parce que quand je vois la chaleur qu'il fait aujourd'hui... Ah, les enfants, ils vont être contents de jouer dehors, là. C'est sûr, ils arrivent, je les fous dehors. Et ils vont jouer dehors tranquillement. Alors, par contre, c'est dommage que la piscine ne marche pas, parce que sinon, je les aurais mis... dans la piscine, on leur a dit d'emmener des maillots de bain et puis d'aller dans la piscine. Mais bon, on a le pré-filtre qui est cassé et qu'on devrait... on vient de commander. Donc, il faut attendre de le recevoir pour pouvoir tout lancer. Donc... Il fait super beau, mais on n'a toujours pas de piscine pour profiter de l'eau, de la fraîcheur que la piscine pourrait nous apporter. C'est chiant, j'ai l'impression qu'en ce moment, tous les ans, c'est ça. JB, il s'y prend super tard pour la faire. Enfin, j'aimerais qu'il le fasse plus tôt, et il ne le fait pas. Donc, bon. Tant pis. Hein. Bon, j'ai la puce qui m'a rejoint. Oui, regardez. Oui, le linge. Elle n'est pas possible. T'as l'air limite à me gronder parce que je ramasse les chaussettes à sa place. Maman, oh. Oui, tiens, voilà. Maintenant, elle me pique le linge dans les mains. Et elle va aller le ranger. Non, mais je vous jure, celle-là. Et voici ma décoration de la table de Maxence. C'est moi qui ai fait les ballons tout seul, oui. Qui a petit circuit. C'est bon les bonbons? Et puis comment elle réclame? Dis, va le ramasser. Presque. Vas-y, tu jettes. Super! Laisse-le là, la puce. On le laisse là. Repose-le là où il était. Voilà. Pousse-toi, la puce. Vas-y, refais. Elle joue pas là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Maxence, joyeux anniversaire. Allez, vas-y, souffle tes bougies, mon grand. Thank you.
Mais dans l'ordre, c'est devant toi, comme ça ce sera plus simple. Ah, c'est super. Tu regardes, Kali. Il a reçu un album de coloriage. J'en ai une autre, ça tombe bien. C'est pas vrai, maman. Pose, Maxence. Dans l'autre sens. On est en train de jouer à Cola Maillard. C'est JB qui cherche les enfants. C'est clair. C'est bon, là, tu... C'est vrai que je connais bien mon jardin. Hein. C'est ça, ça se voit. Ah, la puce. Il y a une puce qui t'appelle derrière. J'ai peur de me cogner partout. Ah, ça rigole pas. Ah, je crois qu'on a entendu des enfants. Alors. C'est qui ça? Alors ça, il y a des cheveux longs. Il y a une casquette. Je dirais que c'est Emma. Faux. C'est faux? Oui. Ah mince. Alors ça, c'est un rire que je connais, ça. Enfin, ça dépend qui c'est qui a touché. J'avais pas vu qu'il y en avait plusieurs. Ça, c'est Amaury. Oui, gagné. Ah mais non, c'était Cali. Tu t'amuses bien? T'es content? Elle va te cacher. C'est Amaury qui va chercher tout le monde maintenant. Va te cacher la puce, va te cacher. Attends, vas-y. Shout your name into the night. Hear me calling for you. I'm calling for you. Hear me calling for you. I'm calling for you. Hear me calling for you. Le stand est vide. Les enfants ont raflé, il n'y a plus rien. Oui. Alors Maxence, il a commencé un des pulls qu'il a reçu. Des 6 ans, 100 pièces. Hein? Non, Amaury, tu continues pas son pulls. C'est pas mon pulls. Ben, c'est ce que je dis. Tiens, Maxence, je vais t'aider. Je vois que tu voulais. Hop, je te le mets là. Non, tu continues. T'es content? Oui? Oui. Et ça dure longtemps parce que c'est dur et ça dure longtemps. C'est bien? Ça te fait travailler ça? Oui.
C'est un super anniversaire avec les copains? Ouais. Ouais. J'ai passé le meilleur des anniversaires. Le meilleur des anniversaires. T'as bien avancé? T'as bientôt fini? Tu m'entends? Oui. C'est bien, mon bonhomme. T'es content? On débarrasse maintenant, on va manger. On va manger les salades fraîches, ça va faire du bien. Oui, parce que pizza... Ouais, ça va être trop. Coucou tout le monde. Voilà, je vous prends, on est en fin de journée. Il doit être 19h30, un truc comme ça. Le match de foot n'a pas commencé, donc je sais qu'il n'est pas 8h. C'est bon. Les fauves sont rentrés chez eux. Je vous regarde pas trop parce que je suis en train de chercher les chaussures qui sont dehors. Parce que j'ai vu qu'il y avait une partie des chaussures d'Amaury et d'Andrea dehors. À l'anniversaire, c'est super bien passé. Maxence a été très content. Ils se sont bien amusés tous ensemble. Il était content de tous les cadeaux qu'il a eus. Bon, j'en avais fait deux petits cadeaux pour lui faire plaisir. Je lui ai trouvé une serviette de plage Cars. Qu'il était trop content. Et j'ai pris un petit cahier de coloriage, des jeux sur le thème de Cars. Donc ça, c'est pareil. Ça lui fait très plaisir. Puis je lui ai dit, ce sera pour les vacances. Comme ça, il pourra s'amuser. Et puis, il apprendra deux, trois trucs. C'est pas un cahier de vacances, mais c'est des jeux. Et les jeux, c'est basé sur des lettres, des chiffres. Donc, ça peut lui faire du bien dans l'été de continuer de travailler un peu ce qu'il a fait à l'école. Ça se trouve, je lui achèterai un cahier de vacances. Je sais pas. On verra bien. Donc là, on a fini de manger. Enfin, nous, mais pas Amaury. Il a décidé de bouder son yaourt. Je sais pas pourquoi. Il mangeait bien, puis d'un coup, yaourt, j'ai pas envie de yaourt. Il est fan de yaourt, hein, Amaury, il n'y a pas de problème. Donc je sais pas, là, il traîne, nous, on a fini. Ce soir, il y a le feu de la Saint-Jean dans le village. Et je voulais qu'on y aille tous. La puce, elle dort. Je l'ai couchée une fois que tout le monde est parti parce qu'elle était infernale. Hein. Elle a passé l'après-midi à jouer avec tout le monde. Donc elle était plus tenable. Je l'ai couchée. J'ai voulu la lever pour qu'on mange. Pourquoi je ramène ça jusqu'ici? C'est là-bas ça. Je l'ai couchée. Oui, ça je vous l'ai dit. J'ai voulu la lever. Impossible de la lever. Donc je vais décider que je la laisser dormir. Oh, ça va. Oh bah dis donc. Que je la laissais dormir pour le reste de la fin de journée. Elle a mangé beaucoup de bonbons, de gâteaux dans l'après-midi. Donc je me suis dit, c'est pas grave si elle mange ce soir. Puis je voulais la lever pour qu'on aille au fait de la Saint-Jean. Mais JB, il veut pas. Il veut qu'on la laisse dormir, qu'elle est fatiguée. C'est un peu normal, la lever juste pour ça. Donc lui, il va rester à la maison. Moi, je pense que je vais y aller. Il y a Salomé qui y va. Je vais aller la rejoindre. On verra bien. Il a laissé les fenêtres ouvertes de sa voiture. Il faudrait que j'aille les fermer. Il a laissé... Non, qu'est-ce que je voulais dire? Pouh, j'ai mal au bras. Oui, je vais rejoindre Salomé. Elle y va. Bon, elle y va parce que je lui ai dit que j'y allais. Et puis finalement, j'ai vu qu'il ne veut plus y aller. Donc, moi, je vais y aller. Je ne sais pas si j'emmène les garçons. Hop. Amaury qui fait encore des siennes. Et JB s'énerve. Oui, mon chat. Donc, je vais y aller toute seule. Avec les garçons, on verra bien. Je vais attendre de voir comment ils sont. Peut-être Maxence. Mais alors, Amaury, je pense que la fatigue joue beaucoup sur son état et son caractère de ce soir. Hey, mon Charlie, tu fais des câlins. Il y avait du monde. Ils se sont cachés, les chats. Hein? Fais des câlins aux gens. Vous avez droit à des câlins de Charlie. Bon allez, je vais vous laisser, je vais voir si j'y vais, je vous reprends tout à l'heure. Coucou! On va au feu de la Saint-Jean! Bah je vous prends avec les garçons. Oui, oui, oui. Au feu de la Saint-Jean!
On a décidé qu'on y allait que tous les trois au feu de la Saint-Jean, qu'on laisse dormir la puce. JB reste avec elle. Et il m'a dit si elle se réveille, il nous rejoint à pied, en poussette. C'est pas loin, c'est dans le village. Et ça doit commencer parce qu'il commence à avoir du bruit, donc on n'est pas en retard. Amaury, et toi sur le côté, il y a des voitures. Et en tout cas, ils sont trop excités, les enfants. Tu verras, enfin, vous. Regardez, Maxence, il est limite en train de danser. Montre-moi Maxence. Depuis le début, je mets ça en place. Allez, la photo avec toi, c'est plus beau. Amaury ? Je vous prends seulement le lendemain matin pour vous dire, pour clôturer ce vlog. Je me suis couchée à 3h40. Je suis naze. Bon, la soirée était super, je me suis vraiment bien amusée avec Salomé, c'était vraiment super. Je me suis couchée à 3h40. Comment vous dire, je suis allée me coucher direct. Ouf. Par contre, je sens que ce matin, j'ai mal partout. Ah, je vais mettre un t-shirt. Bon. Donc, je vais vous laisser maintenant. Là, il est midi. Donc, vous voyez, je vais vous laisser. Et je pense que je vais ouvrir mon vlog tout de suite après. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Bye bye et à demain.